Il n'avait que 24 ans lorsque sa mère a disparu. Mais année après année, le prince Albert de Monaco continue de rendre hommage à sa mère Grace Kelly. Désormais âgé de 62 ans, le monarque s'est livré sur la relation qu'il unissait avec l'actrice dans une série documentaire La BCC sur le rocher. Il y confie notamment que Grace Kelly était plus tolérante que son père le prince Rainier. Si est-ce incroyable que, tant d'années après, elle ait toujours une présence si forte dans les esprits et les cœurs des gens, a-t-il ajouté, selon le Daily Mail. Dans cette série documentaire britannique, toujours selon le Daily Mail, le prince Albert révèle aussi l'état de ses relations avec son père quand il était jeune. Quand mon père m'a parlé du travail, il m'a dit, tu seras seul dans cette pièce et tu devras être prête autant psychologiquement qu'émotionnellement, s'est souvenu le mari de Charlène. Un rôle qu'il exerce désormais depuis 2005. Il reconnaît d'ailleurs que ce poste n'est pas tous les jours un bonheur merveilleux ni un enchantement. Ce n'est jamais facile pour personne d'être à un poste de responsabilité, assure-t-il. Grace Kelly, une personne tellement généreuse, tellement rayonnante de bonté et d'attention aux autres, selon le prince Albert de rares confessions pour le prince Albert. Le monarque a déjà saisi plusieurs occasions pour saluer la mémoire de sa mère Grace Kelly, morte après un accident de voiture en 1982. En avril 2019, en anticipation de l'hommage rendu à la princesse pour le 90e anniversaire de sa naissance, il avait par exemple fait des confidences très touchantes sur RFM. Ce qui me frappe toujours, c'était sa grande gentillesse, sa grande générosité de cœur et d'esprit. Elle était toujours à l'écoute et toujours prête à aider l'autre, avait-il livré, ajoutant c'était une personne tellement généreuse, tellement rayonnante de bonté et d'attention aux autres.